Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouveau Let's Play qui démarre donc aujourd'hui. Oui, bien sûr, j'ai déjà à choisir mes mots, mais vous me connaissez. Donc je vous présente un jeu développé par 505 Games, édité par Starbreeze Studios, Brothers, A Tale of Two Sons, ou si vous préférez, Frère, une histoire de deux fils. Voilà, je vous fais la traduction en live. Donc c'est un petit jeu que je trouve assez sympathique, qui fait la part belle à la coopération. Enfin, la coopération tout seul. Vous allez voir où je veux en venir quand je vous dis la coopération tout seul. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc ce jeu est sorti en 2014, si je fais pas de conneries. J'ai pas pris le temps de m'en assurer. Je mettrai un petit sous-titre pour vous signaler si je me suis gouré. Donc c'est un jeu qui devrait pas durer beaucoup d'épisodes, parce que très franchement le jeu est plutôt court, mais il est intense. Voilà, donc bah écoutez, je pense que nous n'allons pas tergiverser. De toute façon, voilà, vous l'avez vu, on démarre le jeu, c'est direct le menu, donc sans autre forme de procès. Donc ben, on va faire jouer. Hein. Alors oui, forcément, comme il me reste une sauvegarde de ma première partie, il me propose de continuer ou de sélectionner le chapitre, mais nous on va faire nouvelle. Et on va écraser l'ancienne sauvegarde de toute façon. Il n'y a rien de spécial. Hein. Le jeu c'est plus ou moins un voyage. Vous allez du point de départ au point d'arrivée et il n'y a rien de spécial. Il y a quelques succès Steam à prendre, mais sinon vous n'avez pas d'objets particuliers à garder avec vous, ou ce genre de conneries. Donc, eh bien, écoutez, je pense que je vais démarrer maintenant. Nayi! Nayi! Ta! Ata, Nayi! Ata! Ben voilà, je pense que l'histoire vous a été contée. Ce pauvre petit enfant a perdu sa mère. ça commence très triste. Et je dis ça limite en rigolant. Ben, bravo. Donc vous l'avez vu, hein, le petit frère se recueillait sur la tombe de sa maman. Et puis ben, le fantôme est apparu. Et puis ben, visiblement, là maintenant, c'est le père qui est pas très bien. Voilà.
Donc, autrement dit, nous allons jouer, comme je vous le disais, les deux personnages. Donc, je suis tout seul avec une manette. Hein. D'ailleurs, si vous achetez le jeu sur PC, en tout cas, parce que je joue sur PC. Hein. La version PC vous obligera à disposer d'une manette de type Xbox 360, Xbox One. Voilà. Bon, sauf que moi, comme d'habitude, comme j'en ai pas, bah, je joue avec ce que j'ai, mais ça marche très bien. Voilà, manette PS4 avec petit adaptateur. Voilà. Donc, il faut utiliser les gâchettes arrière de la console pour interagir avec. Voilà. Donc, la gâchette RT pour faire une action avec le petit frère. Et la gâchette LT pour faire l'action avec le grand frère. Alors, pour les déplacements que je vous explique, chaque stick contrôle un perso. Donc, autrement dit, le stick gauche, je contrôle Monsieur le grand frère. Et avec le stick droit, je contrôle le déplacement de Monsieur le petit frère. Et si je vais les deux sticks en même temps, forcément, ils arrivent mieux à marcher. Voilà. Donc autrement dit, en fait, la partie gauche de la manette est dédiée au grand frère et la partie droite est dédiée au petit frère. Donc voilà comment, de cette manière, vous pouvez faire un jeu coopératif tout seul. Et le pire, c'est que le développeur n'a même pas pensé à intégrer un mode à deux joueurs. Alors qu'il y a deux persos, il pouvait le faire. Mais... C'est tellement dommage, ça m'aurait permis de présenter ce jeu à coopération avec quelqu'un, soit en live avec Yochette, soit avec une autre personne à distance, selon le comment ça aurait tourné. Donc je place le chariot, voilà. Bon, merci, je lâche tout. Allez, actionne-moi ça. LOL. Alors le truc que je vous explique, il y a une différence entre les deux frères en fait. Là, par exemple, quand j'essaye avec le petit frère de tirer ça, bah... oh, il est trop petit, il est pas fort. Hein. Par contre, si je le fais avec le grand frère, ça marche tout seul. Donc, autrement dit, ça veut dire que dans le jeu, il y a des moments où il va falloir prendre en compte la différence entre les... Mais qu'est-ce que tu fous? Attrape-le. Voilà. Alors oui, par contre, quand il parle, vous aurez remarqué, hein, il parle une langue indéchiffrable. Enfin, pour nous, en tout cas. Hein. Oui, parce que là, en fait, quand il fait ça, c'est quand j'appuie sur dans le bouton d'action, quand il peut rien faire. Attends. Ah, l'autre ne dit rien quand j'appuie. Voilà. Alors, le pire, c'est que comme il ne parle pas dans une langue descriptive, bah, du coup, on ne peut pas... On sait même pas comment ils s'appellent, les deux frères. Voilà, là, pareil, hein, la courte échelle ne pouvait être faite que dans ce sens-là. Hein. Je pouvais pas utiliser le petit frère pour porter le grand. Hein. Ça aurait pas marché. Hop, voilà. Ensuite, je monte. Donc, la difficulté, c'est surtout de gérer le déplacement des deux personnages, parce que vous avez les deux sticks pour ça. Hein. Alors, du coup, ce qui fait que vous n'avez aucun contrôle sur la caméra. LOL. Alors, je crois qu'il faut attraper cette manette à deux. Donc, on y va. Bah alors. Ah oui, faut faire tourner les deux sticks en même temps pour que ça marche. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Oui, désolé. Il fallait bien que je fasse cette petite référence pour la blague. La chanson de je sais même plus quel groupe. Bon, après les cinématiques, j'ai envie de dire, je peux peut-être me permettre de parler pendant les cinématiques vu qu'il n'y a rien à écouter en fait. Ce qu'il faut que vous compreniez. Bon, je laisse quand même essayer de vous faire profiter un petit peu du son.
Voilà. En gros, ce que je veux juste que vous compreniez bien pour ce jeu, c'est que l'histoire va vous être plus ou moins racontée à travers la gestuelle, les expressions faciales et les quelques petits bruits que vous pouvez entendre. Ce qui veut dire que c'est une histoire que vous devez interpréter, en fait. Bon, là, je pense que tout le monde a compris que le père est gravement malade et qu'à qu'un seul endroit, il n'existe qu'un seul remède au monde entier. Et que c'est visiblement caché sous une sorte d'arbre. Et l'histoire du jeu, en fait, ça va être ça. Ça va être qu'on va devoir voyager jusqu'à cet endroit où se trouve le remède miracle pour soigner Monsieur Notre Père. Je sais pas pourquoi je dis monsieur, ça m'amuse. Ouais, il veut pas nous laisser passer. Ah, regardez, sa façon de tenir le bâton en travers devant nous. Je veux passer! Oh, vous n'avez pas le choix d'aller par là. Par contre, c'est vraiment... Enfin, on s'y habitue vite, hein, mais c'est assez spécial de... Ah! Alors en gros, que je vous explique le problème, suite sûrement à avoir été témoin du décès de sa mère noyée, eh ben le petit frère a peur d'aller dans l'eau. Donc autrement dit, je dois obligatoirement accrocher le petit frère au grand, si je peux dire ça comme ça, et c'est avec le grand frère que je nage. J'ai pas le choix. Putain, mais il va falloir qu'on leur donne des noms, sinon on va pas y arriver. Non mais je me rends compte que je me vois pas les appeler grand frère, petit frère pendant tout le jeu en fait. Alors du coup, si vous avez quelques idées dans le... Exprimez donc votre créativité dans les commentaires. Comment je dois les appeler ces deux pignoufles? Il y en a un petit et un grand. Est-ce que je propose Laurel et Hardy? Non, parce que c'est gros et petit. Bon. Allez, donc maintenant que l'autre nous a encore fermé la porte au nez, décidément, finalement, on dirait qu'il a décidé de nous emmerder. Donc, bah, il faut grimper par là. Alors, pour grimper, c'est assez chiant, par contre. Parce qu'il faut, en fait, il faut tenir les deux gâchettes pour qu'ils s'accrochent chacun à leur rocher. Braquer les deux sticks en haut pour qu'ils... Et vous lâchez et vous rappuyez. Bon, je suis pas obligé de faire les deux piles en même temps, hein. Je pourrais faire l'un après l'autre, hein, mais bon. Par contre, oui, c'est bien ce qui me semblait, les sauts sont automatiques. Ah, là, par contre, pareil, il faut appuyer les deux. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, enfin, difficulté, c'est pas dur à faire, c'est pas difficile en soi, mais je veux dire, faut quand même s'y faire de faire les actions avec les deux sticks et les deux gâchettes en même temps, quoi. Ah, on peut tourner la caméra, sauf que la caméra tourne bizarrement. Hein, parce que quand j'appuie sur la gâchette droite, elle tourne à gauche, et quand j'appuie sur la gâchette gauche, elle tourne à gauche, à droite. Pff, logique. Je pourrais pas changer ça dans les options. D'accord. Il y a l'option que sur la... D'accord. Donc là, génial. Donc autrement dit, l'option pour tourner la caméra, elle a été programmée à l'envers, mais t'as pas le choix, t'es obligé de subir. Non mais je suis désolé, je rappelle que les gâchettes s'appellent L et R, hein, L comme gauche, hein, R comme droite. Hein. Oui, je peux m'asseoir sur le banc si je veux. Comme ça, t'as un petit panorama. Oh, c'est un petit village sympa. Hein. C'est dommage qu'on comprend rien à ce qui. C'est dommage qu'on comprend rien à ce que l'autre au milieu il blablate là. Ah. Genre, il y a un mur invisible, je peux pas descendre. Et par ce côté-là, je peux pas passer. Je dois passer par où alors? Ça fait 10 minutes que je joue, je suis bloqué. D'accord, fallait juste monter là. Pff.
Et du boulet du jour. Bon, ensuite là, ça va. Le mur de corde, il se voit. Hey, Naï. Lol. Hey, je suis là. Ouais, c'est ça que je vous disais, vous habituez à diriger les personnages avec les deux sticks. Que ça va arriver, hein. Des fois je vais avoir tendance à partir avec le grand frère et puis le petit va rester derrière. Encore toi. Alors là, voilà une autre mécanique assez marrante. Vous voyez, une sorte de grille là. Bah, je ne peux pas passer avec monsieur grand frère. Parce qu'il est grand et bon, il est pas si gros que ça, mais bon. Mais le petit, lui, il peut passer entre les barreaux. Hop, on tourne le stick. Loul. Loul, mais il a peur d'un caniche. Il y a un puits, là. Bon, ça sert à rien. Regardez-le. Regardez-le, ce trouillard de première, là. Alors, je regarde un peu le décor parce que dans les succès Steam, c'est justement pour faire des petites actions comme ça dans le décor qui font pas du tout partie de l'histoire principale. Putain, mais la caméra elle tourne ultra lentement en plus. C'est pour ça que j'avais complètement oublié qu'on pouvait contrôler la caméra parce que ça tourne tellement lentement qu'au final le bouton tu l'utilises jamais. Quoi. Par contre, j'espère que la vidéo enregistrée sera de bonne qualité parce que moi sur mon jeu, pour vous donner une idée, j'ai des micro-freeze quand il y a des mouvements, c'est chiant. Ouais, je porte un chat, il a pas l'air d'accord. Et si j'essaye avec l'autre, ça fait quoi? Ah, par contre, il aime bien le petit frère, le chat. Voilà, grand dadé, tu es un mal-aimé. Bon, allez, là, c'est juste pour rigoler, quoi. C'est juste pour dire qu'il y a de l'interaction avec le reste du décor, quoi. Franchement, le jeu... Enfin, on peut quand même dire ce que... Il est simpliste dans son gameplay, hein. C'est visiblement pas par là. Il a un gameplay très simpliste, mais honnêtement... Bon, là, le problème, c'est que la caméra, elle est très centrée sur le... Bah, la caméra, elle est fort en hauteur, donc... Ah oui, ça aussi, l'autre problème. Vous avez deux sticks pour contrôler les personnages, mais le problème, c'est quand ils sont inversés. C'est-à-dire quand le petit est à gauche de l'écran, bah, ça fait ce genre de truc, on est perturbé, on comprend plus comment on se dirige. Parce que tout simplement, parce qu'on essaye d'associer le stick gauche au personnage qui est affiché à gauche, et inversement, quoi. Eh oh, réveille-toi. Tu peux baisser le pont, s'il te plaît. Ah, apparemment, il a décidé de dormir. Ah, c'est sûr qu'il est bien réveillé, là. Bon, tu peux baisser le pont, maintenant. Ah, fallait que je lui montre mon parchemin. Allez, passe et laisse-moi dormir, gamin. Bah oui, désolé, je suis obligé de faire les dialogues à la place du jeu. J'ai pas le choix. Ouais, donc je disais, là, dans le village, la caméra, elle montrait fort le sol... Il faudrait que je puisse avoir un moment où je peux vous montrer mieux le panorama, parce que vous allez voir que le jeu, franchement, le jeu, bon, c'est pas le plus beau du monde, mais il faut quand même se rappeler, faut quand même replacer le jeu dans son contexte, hein, dans son contexte d'époque. Hein. Voilà, c'est un jeu qui a près de 10 ans. Hein. Bonjour madame, je passe le balai. Bon bah c'est bon, on a trouvé ta reconversion à toi. Hein. Et lui il fait quoi? Diana. D'accord, je passe le balai à la place de madame.
C'est genre, tiens, regarde, regarde, c'est comme ça que ça marche un balai. Je sais pas si là, il y a quelque chose à... Ouais, donne-moi ton ballon, s'il te plaît. Est-ce que je peux marquer le panier? Visiblement, non. Ah oui! Non, c'est passé dedans ou à côté? Alors sinon, je crois qu'on peut faire... il me semble qu'on peut faire un truc beaucoup moins sympathique. Ouais! Et ça donne un succès en plus! Oh, pauvre enfant! Bon, c'est parce que c'est un jeu vidéo, vous vous doutez bien que... C'est dommage, j'irais bien le... Est-ce que je peux retourner le chercher? Par contre, je vois que je peux aller soit par là... Ah ouais, d'accord. En fait, l'escalier, c'était juste un raccourci. Non mais vous en rendez compte, ce jeu vous récompense d'avoir été sadique. Allez. Ah oui, là pareil, il faut interagir avec les deux pour pousser une barrière. Donc là par contre, c'est obligatoire de faire les deux en même temps. Bonjour toi là en bas. Alors, excusez-moi si je perds un petit peu le temps de... Parce que la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai un petit peu rushé le machin. Ah oui, effectivement, mon grand frère, il joue très mal. Mais c'est pas... Il était pas très gentil, quand même. Et le petit, est-ce qu'il y arrive? Visiblement, le petit, il est plus doué. Ouais. Et j'imagine le grand en train de se dire, pff, espèce de prétentieux. Hey, bonjour toi. Mais c'est quoi cette tronche? Ils sont tous bourrés dans ce jeu ou quoi? Non mais l'autre qui garde le pont qui dort, lui qui saoule. Non mais vous avez vu la tronche quoi, avec les grands yeux quoi. Est-ce que je peux aller par là? Ah non, je peux pas prendre de petit bain. Ah. Cet endroit. Attends, il y a un gros chien. Alors je vous préviens, dans ce chien-là, il est très méchant. Hein, en gros, bon, allez, je vous le montre exprès. Il m'a tué. Donc c'était fait exprès. Hein. Voilà. Je l'ai fait parce que je savais que le point de checkpoint était là. Donc en fait, le truc, ça va être d'utiliser un des frères. Par exemple, je vais prendre le grand frère pour faire... Je siffle le chien. Pendant ce temps-là, avec l'autre. Hop. Et ensuite, tu fais pareil. Hop, 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 tranquillou. Bon, c'est un petit peu chaud, mais ça passe bien. Hop. Et vous avancez comme ça. Oula, je suis vachement au bord. Voilà. Oh, 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 oh. C'est peut-être parce que je suis passé un peu trop près du chien. Alors, si vous passez un petit peu trop près du chien, il a tendance à se jeter sur vous, même si vous faisiez la diversion avec l'autre. Voilà. Et voilà, ça passe tout seul. Merci d'être passé. Si t'as juste à traverser tranquille.
Et on fait de la grimpette. Je vais laisser plutôt l'un derrière l'autre parce que l'un à côté de l'autre, c'est quand même un petit peu... Voilà. Je rappelle, les sauts sont entièrement automatiques. Ah, ici, une courte échelle. Enfin, vous avez vu, c'est le même truc qu'au tout début. Hop. Wow. D'accord. On va refaire. Dans les milieux. Mais loul. C'est parce que j'ai oublié d'appuyer sur la gâchette gauche. Hop. Voilà. Oh, tu sais, des lapins. Il y a des lapinous. Ah, ici, on va s'amuser. Il y a une roue, là, comme vous pouvez le voir. Hein. Et la roue, si je marche dedans... Si je me prends pour un hamster, hein. Ouais. Là, il y a un oiseau. Il y a un oiseau dans la cage. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Alors, je sais qu'il y a plusieurs trucs à faire ici pour les succès. Pour les succès Steam. Déjà, vous voyez les lapins là, hein? Ils sont tous noirs, il y en a un, il est blanc, regardez. Regardez le pauvre lapin. Ouais, ouais. Cette fois-ci, ce sera le mouton blanc de la famille. En fait, ce que je dois faire, c'est attraper le lapin. Mais... Ah non, je le pousse avec... Ah voilà, c'est lui qui l'attrape. Regardez comment il le tient. Puis tu fais ça... Hop, dans le charbon. Comme ça, il devient noir et puis les autres, il aime bien. Ah, le pauvre. Bon, au moins cette fois-ci, il n'a pas souffert. Il est juste un peu sale. En fin de compte, j'ai juste sali le lapin. Alors, je crois avoir vu... Ouais. Bonjour, fermier qui me transperce avec sa fourche. Ouais, c'est par là. En fait, on est juste en train de leur demander notre chemin depuis le départ, quoi. Depuis le départ. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est... Allez, avec le petit frère. Obligatoirement le petit frère dans la roue. Parce que seul le grand est assez fort pour porter un mouton. Mais... T'as la façon dont il marche. Voilà. Et ensuite, je mets le mouton. C'est le mouton. Voilà. On met le mouton à la place pour jouer au hamster. Alors par contre, le mouton, vous allez vous demander pourquoi, mais je vais en prendre un deuxième. Non, non, vous pouvez pas mettre de deuxième mouton dans la roue, ça marche pas. Hein. Mais vous vous souvenez du charbon juste avant? Putain, par contre, le temps que ça prend... Alors, le pire, c'est que je suis obligé de suivre avec le deuxième pour que la caméra l'avance. Parce qu'en fait, si vous voulez, les deux frères, en fait, ne peuvent pas s'éloigner d'une certaine distance. Oui, oui, t'as le droit de pas être content. Ah ouais, faut que je le lâche pour... Sinon, je peux pas descendre. Sinon, je peux pas descendre tant que je tiens. Bon, là, je pense que le petit frère, je peux le laisser là où il est.
Bah on fait pareil que tout à l'heure, je vais le salir. Hop. Faut que je mette plus au milieu. Voilà. Brebis galeuse. Eh ouais, le mouton noir. Voilà. Et puis on va le laisser en compagnie de lapin. Allez, je vais avancer encore un petit peu avant de conclure ce premier épisode. Hop. Ah si, c'est juste là. Pareil, hein, là quand il grimpe ses petits rebords, il les grimpe tout seul. Hein. Ah tiens, regardez, on voit encore le chien en contrebas. Par contre, là la caméra, est-ce que tu pourrais... Oh mon dieu, mais... Non mais elle est bloquée ou quoi la caméra? C'est qui qu'on entend brailler comme ça là? Ah! C'est quoi? C'est une sorte de troll, de... d'ogre ou... Ah bah oui, tu m'étonnes. Imaginez dans la revue vous rencontrez un monstre de cette taille. Hey, Maro. Maro, Wanadi, da. Oh, il a l'air gentil. Venez, venez avec moi. Eh ben, je pense que ça va être le moment idéal pour s'arrêter là. Ouais, est-ce que je laisse aller ou... Je pense qu'on va arrêter là-dessus l'épisode. Là, je vois le timer, on n'est pas trop mal. Ouais, ouais, il attend qu'on vienne. Ah non, il attend pas, il est en train de se casser. Bah écoutez, je vais mettre la pause, ça sera... Donc bah du coup on s'arrête là pour ce premier jeu, de toute façon je vous le dis, hein, le jeu est globalement assez court, je pense que c'est l'affaire de 3, 4, 5 épisodes au pire, hein. À mon avis ça ira pas plus loin que ça, hein. Donc voilà. Donc eh bien écoutez, j'espère que ce sympathique jeu vous plaira, donc bah, on va s'arrêter là-dessus pour ce premier épisode, je vous dis ciao, et à la prochaine.